Dimitri Vanderlei e vamos mostrar um grande espetáculo. Aí galera do Premier Combate, meu nome é Dimitri Vanderlei, tenho 20 anos, praticante de Jiu-Jitsu, faixa preta do Ataide Júnior e treino Muay Thai com Rodrigo Aguiar. Tô aí em Manaus pela primeira vez, quero proporcionar aí um espetáculo pro público. Voilà, on a vu le petit frère tout à l'heure. On accueille le grand frère. C'est un autre calibre, le grand frère. Lyoto Machida. Ah ouais, méfiez-vous de lui. Il est impressionnant. Toujours invaincu hein, en MMA. Ouais, toujours invaincu. Et là, il est opposé à Dimitri Vanderlei. Alors c'est assez amusant quand même comment ce combat s'est monté. Puisque c'est normalement Anthony Rea qui devait affronter Dimitri Vanderlei lors de ce Jungle Rea, Fight. Ouais. Mais Dimitri Vanderlei a préféré refuser. Donc finalement, ils ont proposé à Anthony Rea Lyoto Machida. Anthony a refusé. Et finalement, Dimitri s'est retrouvé contre Lyoto. Voilà, donc à force de refus, il y a eu ce combat. Voilà, donc un combat qui s'annonce assez dur hein, pour Dimitri Vanderlei. On vous rappelle quand même que Lyoto Machida... Est-ce qu'on sait pourquoi il a refusé de rencontrer Anthony Rea? On ne saura jamais. Peut-être qu'il, peut-être qu'il estimait qu'Anthony était trop fort pour lui. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'était Lyoto? C'est bizarre. Enfin bref, en tout cas, ce soir, c'est... Lyoto Machida face à ce Dimitri Vanderlei. Et Dimitri Vanderlei sur le dos, Lyoto Machida dans la garde. Donc Lyoto Machida, il y a beaucoup de choses à dire sur ce combattant. On vous écoute Antoine. Moitié japonais, moitié brésilien. Petit protégé d'Antonio Inoki. Invaincu en MMA. Premier. C'était à l'époque l'unique vainqueur de Rich Franklin. On se souvient qu'il avait mis KO Franklin au Inoki Bumbaye. Un jeune combattant qui, comme son frère, vient du karaté. On se souvient qu'Inoki disait de lui qu'il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage après l'entraînement et tapait pendant une heure sur des bouts de bois avec les poings fermés. Non, non, c'est une bête de travail, Lyoto Machida. On voit le chemin parcouru. Et quelqu'un de. Un combattant très humble en plus. Ouais, ouais. Très discret. Et il paye vraiment pas de mine. Mais alors, attention. Il est jusqu'à présent imbattable. Donc Dimitri Vanderlei qui vient du jiu-jitsu brésilien. Très expérimenté au sol. Moi je dirais invaincu. Allez, en tout cas, pour l'instant, c'est à Dimitri Vanderlei d'essayer de nous montrer qu'il est battable ou pas. Ce Lyoto Machida. Et pour ce que nous voyons, pour l'instant, il n'arrive pas à changer de position, on le voit essayer de se dégager. Il use vraiment de ce qu'il peut pour essayer de faire évoluer la position, mais rien n'y fait. Et Machida préfère se relever. Ah ouais, il est offensif, Machida. Ouais, ouais. Il peut paraître un peu raide hein, parce qu'il vient du karaté, mais ne vous y fiez pas, ses coups sont très très puissants, aussi bien les coups de pied que les coups de poing. En plus, il est très très opportuniste, Lyoto Machida. Et, ouais, et il a travaillé, hein, parce que aller chercher ce genre de projection. Attention à ne pas perdre la position. Le coup de genou. Il a été touché, Dimitri Vanderlei au genou. Et Stupercute qui est passé également. Ah, il donne tout ce qu'il a, hein, ouais, Dimitri Vanderlei. Vraiment, vraiment courageux ce garçon. Et Lyoto Machida qui est touché, qui saigne. Il a l'air de regarder son coin. Peut-être qu'il voudrait une intervention de l'arbitre pour essuyer sa blessure. Rien n'arrive pour l'instant, il est passé en demi-garde. Et c'est Dimitri Vanderlei qui a essayé de passer un ou des garmides en bas. C'est pas évident cette position. Ah ben on se retrouve dans la même position que précédemment. Dimitri Vanderlei sur le dos avec Lyoto Machida dans sa garde. Garde fermée. Difficile d'évoluer comme ça. Hein, surtout. Ah ouais.
On a vu les contrôles, on avait vu les contrôles de Lyoto Machida dans cette position. Dimitri Vandaerlei n'a rien pu faire, donc il n'y avait pas de raison que ça change. Voilà, on a demandé un temps mort. On va nettoyer Lyoto Machida. Qui a l'air d'être ouvert entre les deux yeux. Oh non, c'est l'arcade encore. C'est l'arcade. Ah non, c'est sur le côté. C'est juste ouais, à côté, sur le côté de l'œil, ouais. Juste à côté. On voit une petite plaie comme ça qui saigne à ce point-là. Que Dimitri Vandaerlei fasse attention à ses débuts justement. Oh, il a été touché par cette gauche. Et il est courageux hein, parce qu'il n'a pas bronché Dimitri Vandaerlei. Et il rentre coup pour coup. Eh ben dis donc Antoine, quelle reprise. On était bouche bée parce que vraiment ce combat et on voit ce Dimitri Vandaerlei qui a l'air légèrement dominé mais qui ne lâche rien. Ah, il veut faire bonne impression hein. Ah vraiment, et il fait bonne impression, il nous fait un super travail. Il ne se laisse pas submerger par les coups de Lyoto Machida. Qui est vraiment impressionnant, cela dit en passant. Vous noterez également ouais, tous ces middle kicks et ces low kicks qu'il envoie. Des middle kicks très puissants. Et regardez l'acharnement. Et tout le courage qu'ils mettent dans cette lutte. Ah ouais, c'était bien vu de la part de Dimitri Vandaerlei, c'est dommage que ça passe à côté. Ah ouais. Et là, il va falloir partir pour la même. Allez, c'est le début de la deuxième reprise. Ah ouais, ça faut bloquer ces coups-là parce qu'à force, on ne peut plus après poser ses pieds par terre et ses jambes. Et c'est ce qui vous porte. Et il a bien compris, hein, le Lyoto Machida. Ah, ça arrive. Ça arrive aussi. Il est à l'aise debout, hein, ouais, il a vraiment l'air à l'aise. Et on sent vraiment la puissance hein, dans chacun de ses coups. Ouf, ce middle, croyez-moi, vous l'avez entendu. Il est courageux, ce Dimitri Vandaerlei, parce qu'il prend les coups, mais il recule pas. Non, il va chercher toujours, à regarder. Ouais. Ah, c'est bien vu, c'est lui qui va chercher Machida et qui l'amène au sol. C'est l'occasion pour nous de voir comment Machida se débrouille sur le dos. Bah ouais, parce que tout à l'heure on a eu deux passages au sol, mais les positions ont été inversées. Même position, je pense, au centre. J'espère pour Vandaerlei. Ouais, tout à fait. Allez, c'est reparti. Il ne va pas se passer grand chose au vu des positions, il ne va pas se passer grand chose parce que Dimitri Vandaerlei reste groupé.
Et il est coupé, hein. Il a l'air coupé. Ouais. On va voir, ouais. Il est coupé, faudrait faire intervenir l'arbitre. Voilà, qui intervient et qui va appeler le médecin. Et on voit, il n'y a rien, mais c'est pareil, c'est l'arcade qui est touchée. Et ça, il faudrait trouver un moyen, alors je ne sais pas, mais pour éviter les saignements, parce que c'est toujours très, très impressionnant. Et déjà, ça coupe le combat et je pense que ce serait moins dangereux. Mais il n'y a pas de moyen miracle pour l'instant, malheureusement. Il a bien bloqué le low kick, hein, Dimitri Wanderley. Il est blessé exactement au même endroit que Machida. Machida, ouais. À côté de l'œil. Ouais, c'est exactement la même, le même endroit. La même blessure, ouais. Photocopie conforme. Il utilise bien l'espace, hein, Lyoto Machida. Il est bien stable sur ses jambes. Regardez les positions. Assez atypique, et il fait un peu le show. Toujours ces middle, hein, qui vont user à force Dimitri Wanderley. Ouais, il est parti un petit peu trop loin là, hein, ouais. Pour aller chercher. Attention au genou, hein, c'est pas mal, ça a touché ça. Ouais, il varie les zones de frappe, hein, Lyoto. Ouais, il travaille vraiment très intelligemment, le Tomashida. Ouais, Wanderley qui saigne encore. Ouais, c'est difficile en plus quand on saigne comme ça, mais il y a le sang qui arrive dans l'œil. Et ça gêne la vue. C'est jamais très bon. Eh ouais, c'est cette gauche qui arrive, ce direct du gauche qui arrive. Et Dimitri Wanderley qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a l'air vraiment fatigué. Enfin, il a même du mal à se relever. Ah ouais, c'est difficile, hein, quand on est face à un combattant comme Lyoto Machida. Ouais, c'est compliqué, il saigne, il est touché, il trouve pas de solution, il reçoit les coups. Ouais. Et là c'est Machida qui au ralenti fait le show. La boxe de l'homme ivre. Petit hommage à la boxe chinoise. Allez, on a nettoyé la plaie de Dimitri Wanderley, c'est reparti. Ah, il est ce qu'il vient, hein, il sait bien sortir de ces situations, Machida. Et Wanderley qui part toujours à l'assaut. Les genoux, ça c'est bien vu, ce genou-là. Ah là, c'est Michilt. C'est bien vu sur les côtés. Ça monte haut. Ça surprend. Là par contre, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, Dimitri Wanderley, mais ça n'a pas payé. Là il se retrouve sur le dos et il peut subir une pluie de coups. Heureusement l'arbitre le sort du coin. Non, il est vraiment gêné par le sang qui coule. Ah,
Non, la plaie elle est trop ouverte, il peut pas continuer comme ça. Ah ouais. Ça va continuer à couler. Ouais, c'était la reprise. Hein. Ah ouais. Je crois que. Vous n'allez pas croire autre chose, c'était la reprise, il a été stoppé par le gang. C'est vrai qu'à première vue, sa blessure semble être la même, mais avec le nombre de coups reçus dessus derrière. Ouais. Non, mais l'ouverture est plus grosse également. Bah ouais, non, mais elle s'agrandit hein, avec les coups. Parce qu'on ne peut que saluer le courage hein, de ce Dimitri Vanderlei. Ouais, vraiment, 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 vraiment chapeau parce que c'est pas évident. Ah, il reçoit là en plus. C'est vraiment pas évident. Il y a Lyotomashida en face qui ne s'épuise pas, qui envoie des coups. Lui, il les reçoit. Il remise, mais c'est pas suffisant. Il a l'air également plus essoufflé. Il est touché, il saigne. Donc psychologiquement, c'est jamais bien. Il est dominé. Et il est dominé. Dominé au point. C'est-à-dire même s'il tient jusqu'à la limite, il s'inclinera. Il faut vraiment qu'il donne tout ce qu'il a dans ce troisième round. Et c'est pas sûr que ça suffise parce que... Ou il faut essayer de le surprendre. Avec un triangle à la volée par exemple. Ouais, par exemple. Ça a déjà marché. Hein. Non, on sait. Enfin sur le auto, non. Vous l'aimez bien le auto, non ? C'est un bon combattant. Hein. Allez, c'est parti pour la troisième reprise. Et c'est la dernière. Encore ce middle. De ce main event du Jungle Fight 6. Et sur ce style, Lyotomashida, les jambes très écartées. Une garde assez intéressante. Mais efficace. Shirogiri. Bah, il est en confiance. Hein, il est vraiment en confiance. Le japonais brésilien. Ouais, il fait le show, c'est le main event. Hein, il fait le show. Qui justifie sa bourse. Ouais, le Dimitri Mandaré qui ne sait plus par quel bout le prendre. Ah ouais, il est encore touché là. Ah, là c'est dur. Parce qu'il est en train de prendre une volée, Dimitri Vanderlei, il fait plus grand chose pour se défendre. Et ça n'arrange rien à sa plaie. Ouais, dans son coin, il faut stopper parce que là, ça. On voit pas comment il peut avancer là. Avec sa plaie qui continue à couler. Voilà, c'est difficile hein, pour Dimitri Vanderlei. Ouais. On voit mal comment il peut trouver une solution. Ouais, ça va repartir, il va falloir nettoyer encore parce que. C'est dommage, le combat a été gâché par cette plaie finalement. Et le courageux Dimitri Vanderlei. Il va y retourner. Continue à croire qu'il y a une solution pour lui. Pour faire tomber cet homme, Lyotomashida. Ok, pour l'instant bien parti pour rester invaincu. Ha!
Dimitri Vandalek qui se met directement au sol. Il en a assez de recevoir des coups. Ah, il s'est senti en danger, hein, Lyoto Machida, là, sur les jambes. Ah, il a préféré pas prendre de risque. Ah, ouais. Là, il a combat gagné, là, c'est vrai que... Et l'arbitre qui demande à Dimitri Vandalek de se relever. Ah, il peut plus. Ah, il en peut plus, il en peut vraiment plus. Il en peut vraiment plus. Terminé. Et ouais. Justement, là, Marcus Vinicius a stoppé le combat. Voyant que Dimitri Vandalek n'en voulait plus, bah, il a bien fait d'arrêter. Et une victoire de plus pour Lyoto Machida, qui s'impose dans ce main event du Jungle Fight 6. Très bon à Manaus. Combat, ouais. Ouais, face à ce combattant qui vraiment qui mérite le respect de tout le monde, Dimitri Vandalek. Très courageux. Voilà, une belle soirée encore, Antoine. Très bonne compagnie. Ouais. On va sortir de la canicule de Manaus et on se retrouvera sur des prochains événements. Alors je vous dis à bientôt. À très bientôt, Bertrand. À bientôt et j'espère que vous êtes autant amusés que nous devant ces belles images et ce beau spectacle qu'est le Jungle Fight. Et on vous dit à bientôt et puis continuez à lire Fight Sport. Au revoir. Au revoir. Agora.